Bonjour les filles. Aujourd'hui, je viens pour une balle. J'ai reçu vendredi, j'ai reçu une enveloppe de Agnès Luizet et de Miss Scrap. Alors, avec Agnès Luizet, c'était un échange surprise. On s'envoyait ce qu'on voulait pour lui faire plaisir. Voilà, moi j'ai envoyé le mien. Vous avez vu sa vidéo puisqu'elle l'a fait hier, je crois, ou samedi. Et moi, je l'ai reçu samedi. Alors, hier, j'ai pas eu le temps. Alors, du coup, voilà, j'ai reçu une grande enveloppe comme ça. Voilà, elle adore le dessiner. Alors, du coup, elle m'a dessiné avec elle. Elle m'a dit: Coucou Maria, ça gaze? Mais bien sûr que ça gaze. Regarde mon clin d'œil. Bon, t'aurais pu me faire les cheveux un peu plus longs quand même, hein? Hein? Bon. Mais sinon, j'adore. Voilà. Voilà. De ce dessin-là, je vais en faire quelque chose. Je vous montrerai par la suite. Voilà. Alors, ce qu'il y avait dans son enveloppe. Alors, il y avait un petit mot. Comme ceci. Voilà. Elle m'a fait une belle rosace. J'adore. Voilà. Voilà, toutes ces petites couleurs pastel comme ça, bleu, rose. J'aime bien. Voilà, des cœurs, des petites plumes. Là, elle m'a fait comme ça. Et puis, c'est mon petit mot. Voilà. Très, très joli. Voilà. J'adore. Bon, je mettrai après parce que là, hop, j'ai reçu ceci, mais c'était dedans dans un flipbook. J'ai reçu un flipbook. Voilà, j'ai reçu un flipbook comme ça. Alors, comment c'est? Je me rappelle plus. Comme ça, voilà, c'était comme ça. Voilà, très très joli. J'adore ce papier qui brille là tout le temps là. J'adore. Voilà, alors après ça s'ouvre comme ça. Alors comme ça. Comme ça. Voilà. Et dedans, il y avait une pochette avec ça dedans, comme ça. C'est parti pendant le voyage. Je pense que c'était là-dedans. Il y a deux petits papillons. Elle sait que j'adore les papillons. Alors elle m'a mis des papillons. Là, il y avait une pochette avec des pompons, des strass, des numéros, des petites paillettes, voilà. Un ruban avec des pompons. Ici, j'ai un ATC sur le thème de la couture. Elle sait que moi, j'étais couturière avant, alors voilà. Et c'est fait par Agnès au Havre. Et c'est la couture. Et ça a été fait le 20 mai. Voilà. Et c'est la 2 sur 5. Voilà. Avec une petite pince parce que elle l'avait mis un petit pompon comme ça. Qu'elle a fait avec ses ciseaux crantor. Que moi je lui en ai envoyé un, ça lui en fera deux, mais le mien il fait des vagues, je crois. Voilà, et là il y avait une pochette. Alors là, il y avait ceci. Alors c'est pareil, des petites bidouilles en bois, à une petite maison, un petit lapin. Attendez, je vais l'enlever parce que. Alors, mon flipbook, voilà, il est très très joli. Et derrière, elle a mis un petit pinceau comme ça. Voilà. Voilà. Alors, il y a plein de petites bidouilles. Alors, il y a un petit écureuil comme ça. Voilà. Il y a un petit cœur. Voilà. Il y a des arabesques comme ça. J'adore. Il y a une cocotte, une fleur, une petite cage à oiseaux,
un petit lapin, des petits oiseaux en mousse, en feutrine, mais une petite hirondelle verte, un cœur, voilà, et plein de petits strass, plein, plein, plein de petits strass, voilà. J'ai reçu aussi, elle vous a fait un tuto, des petites fleurs comme ça qu'elle a fabriquées. J'en ai quatre. Je sais quoi en faire. Voilà, il y en a quatre. J'ai eu un autre petit ATC. Voilà, un sur un, c'est pour moi, rien que pour moi. Voilà, fleurs et papillons. Le 9 juin, voilà, super. Elle m'a mis plein de petits stickers comme ça. Je ne vous les fais pas sortir parce que je pense que vous connaissez toutes. Voilà, il y a des licornes et tout. Voilà. Elle sait que je vais faire un album à ma petite fille et puis que, voilà, alors elle m'a envoyé des petites licornes. Et j'ai eu, elle m'a mis ça aussi, ça, mais je l'ai le cahier, mais bon, c'est pas grave, on en a toujours besoin, on a toujours besoin. Elle m'a mis des petites fleurs comme ça, je sais pas si vous les voyez, voilà, comme ça, et voilà, c'était un bel échange. En tout cas, j'espère que le mien, ça lui a bien plu. Je pense que oui, puisqu'elle l'a mis en vidéo et puis elle a dit que c'était très, très joli. Et moi, en tout cas, ça m'a fait un grand, grand plaisir de savoir que j'ai fait un échange avec elle et que tout est beau, tout est super. Voilà. Comme elle dit, elle chante toujours dans ses vidéos et moi, j'adore quand elle chante. Elle me fait rire, elle me fait rire. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui met de l'entrain comme ça. Moi, avant, j'étais comme elle et je me suis un peu plus réservée. Mais je pense que un de ces quatre, vous allez voir, Maria va vous chanter le portugais, le fado. Oui, 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 le fado. Allez, je vous fais des gros bisous. Ah non, 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 en fait, j'ai un échange aussi. Je voulais vous faire dans la même vidéo comme ça. J'ai un échange que j'ai reçu de Domi Scrap. J'ai fait un échange ATC avec elle. Le mien, il n'est pas encore parti. Le mien, il n'est pas encore parti. Et il partira la semaine prochaine. Je lui ai envoyé un petit mail pour la remercier et tout. Elle, voilà, les petits ATC que j'ai reçus de Domi. Voilà, celui-là, c'est au jardin. Ça a été fait par Domi Scrap et c'est au mois de juin, elle l'a fait. Il y a celui-là, Havana, ça a été fait au mois de juin aussi et par Domi, bien sûr. Voilà, j'adore. Toutes les couleurs que j'aime bien. Elle m'a mis plein de... Elle m'a mis des tampons, bien sûr, là, que je vais coloriser et puis mettre dans un album, mais je vais m'en occuper. Et j'ai reçu plein de petites bidouilles, bien sûr. Voilà. Voilà, j'ai reçu plein de petites bidouilles qui rappellent son thème de son petit ATC. Voilà. J'adore. Et elle m'a fait plein de petits tampons, comme ça, et des découpes. J'adore. Moi, j'ai une petite fille qui a 17 mois et une qui va arriver. Je vais faire un album naissance et puis un album pour ma petite fille, hein, pour mon petit-fils qui a 6 ans. Et ben, pour ses 6 ans, je vais faire un album qui est le 18 juillet. Et ben, je vais m'amuser à faire ça avec. Je vais mettre des petits nounours comme ça. Ça va y rappeler. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de recevoir de Domi cet échange, parce que je croyais qu'elle allait attendre que moi je fasse le mien. En ce moment, je suis très très occupée parce que je fais la layette pour ma petite fille qui va arriver fin juin, là.
Et bah, je suis très 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 prise. Et comme ça me tenait à cœur de faire un échange avec Domi, et ben, en tout cas, j'espère qu'elle puisse attendre un petit peu et que je lui envoie ça dans la semaine qui vient. Voilà. En tout cas, tout était présenté dans une enveloppe comme ça. C'était attaché avec un petit nœud comme ça. Hop. Voilà. Tout est frais, c'est printanier, vive l'été quoi, parce qu'il y en a marre de cette grisaille là. Je suis en Ardèche et puis on n'a pas beau temps quoi. Alors voilà, là c'est mon petit mot, hein, je vous fais pas voir. Et voilà, puis les petites bidouilles, elles étaient dans une enveloppe comme ça. J'adore sa présentation, c'est soigné, c'est simple, soigné. Et voilà, moi j'adore. Merci beaucoup. Et à très vite, mes abonnés aussi. Je vous embrasse toutes. Et puis, Domi et Agnès, merci, 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 merci. Ciao, ciao, ciao.